Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué uniquement avec 4 cartes. Vous allez voir, c'est un tour de petit paquet au final, plutôt simple à réaliser et un final plutôt intéressant. Comme d'habitude, je vous fais la démo et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire qui fait toujours plaisir. Merci à tous les souscripteurs de Tuto Magie Premium et Premium Plus. Et n'oubliez pas que vous pouvez également pour les nouveaux me retrouver sur mon école de magie, tutomagie.com, pour apprendre la magie des cartes, la magie des pièces, le tout accompagné de tours expliqués, les techniques sont vraiment décortiquées. Vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sur ce, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des vidéos que je mets en ligne au fur et à mesure sur la chaîne. Allez, c'est parti! C'est parti pour la démo avec un tour qui se fait uniquement avec 4 cartes. Alors, réellement 4 cartes, je vous les montre. En fait, on a 3 cartes rouges, ce sont les 4 de cœur. Et une carte noire, ici l'as de pique, la plus importante. Ce sera la carte qu'il faudra suivre tout au long du tour, ok? Regardez bien, on va prendre d'ailleurs l'as de pique et la placer face en bas, entre les autres cartes, comme ceci. Et pourtant, si on secoue un petit peu les cartes comme ceci en claquant des doigts, croyez-le ou non, mais l'as de pique peut revenir face en l'air. Hein. Je suis peut-être allé un petit peu vite, on va le refaire, regardez bien. L'as de pique placé vraiment face en bas, entre les cartes. Pourtant, si on frotte un petit peu comme ceci en claque des doigts, eh ben, l'as de pique peut revenir de nouveau face en l'air. C'est dingue, hein, ça marche à chaque fois à tous les coups. On va faire plus fort, regardez bien. On va prendre l'as de pique, le placer tout simplement dans la poche, comme ceci réellement. Et regardez bien, réellement. Hein, si on fait juste un petit geste magique, instantanément, les cartes disparaissent parce qu'il ne nous reste plus que l'as de pique. Parce que maintenant, dans la poche, on a bien les 3, 4 de cœur à la place. Et bien sûr, tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a absolument rien à voir. C'est un vrai petit miracle et c'est très simple à faire.